Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des produits que nous avons. Donc, le but ici, c'est que vous puissiez comprendre à quoi sert quoi. Je viens te dire que ton autre pote a parlé en mal sur... Donc, je regarde ça maintenant. On va commencer par les sels. Pendant que je demande, si je demande, je pose des questions, vous-même vous répondez. Donc, ce sang de Jésus, ça sert à quoi? Pourquoi tu ne parles pas fort? Pardon? Voilà. Tu vois, tu parles, tu fais l'amour, tu fais les faux trucs. Voilà. Tu as insulté quelqu'un, ta bouche là a parlé les faux trucs. Tu prends ce sel, ça t'aide à te purifier. Tu utilises le psaume 51. Psaume 51, c'est un psaume de purification. Voilà comment il demande que ce soit mis. Vous voyez que ma paille pour vous, c'est différent. Ça, tu mets dans de l'eau. Tu mets une cuillère à café, si possible. Tu prends juste comme ça, tu mets. Et certaines personnes peuvent avoir ce psaume dans leur esprit. Et voilà, Seigneur, lave-moi de toute impureté. Purifie-moi, Seigneur, je demande pardon. S'il y a des choses que j'ai dites ou j'ai faites qui m'ont éloigné de toi, qui m'ont séparé de toi. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Tu finis de parler, tu verses ça sur toi. Voilà. À côté, s'il vous plaît. À côté. Celle d'atterrissage. Ce sel, il peut être comme celle d'atterrissage. Quand je dis atterrissage, les gens vont comprendre. Dans la maison, on a parfois, on a toujours un hôtel. Vous devez avoir un lieu où c'est là-bas que vous vous recueillez pour prier. Donc, tu peux mettre sur ton hôtel ou tu peux aussi mettre au centre de la maison, c'est sur ta table. Ce sel va te permettre, tu mets aussi des coris dedans, des coris. Vous connaissez les coris, non? Cherchez un peu les coris, vous me montrez là-bas, il y a des coris. Voilà, porte ça, tu me donnes. Voilà un sel d'atterrissage qu'on a ici. Voilà. Donc là, j'ai mis plusieurs couleurs. Quand vous déposez comme ça au salon, ça absorbe les mauvaises énergies. Ce sel, tu peux le mettre dans un petit sachet. Tu accroches sur les fenêtres ou tu mets aussi en haut de ta porte. Donc, s'il y a les mauvaises personnes, les mauvais esprits, les mauvais n'importe quoi là, qu'ils ne puissent pas entrer. Donc, ça absorbe. Parfois, tu entres dans une maison, tu te sens mal, c'est bizarre. Il y a des maisons où les gens n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises énergies là-bas. Parfois, la maison a été habitée par d'autres personnes qui n'avaient pas un bon esprit. Quand ils partent, ils laissent leurs choses dans la maison. Quand tu arrives là-bas, tu fais tous les cauchemars, tu ne dors pas bien. Voilà. Donc, vous mettez avec les coris comme ça. Quand tu achètes, bientôt, dans quelques jours, on mettra des coris à l'intérieur. Donc, quand tu vas acheter, il y a des coris dedans. Voilà. Voilà le nouveau sel qu'on vient de sortir. Ça, c'est le sel sirène. Je rappelle que le sel d'atterrissage, il y en a en couleur jaune, il y en a en couleur bleue. Il y a des personnes que leur couleur préférée, c'est le jaune, il y en a que c'est le bleu. Voilà. Il y en a qui peuvent prendre les deux. Donc, tout ça, c'est disponible à Abidjan, Douala, Libreville. Donc, le numéro, c'est le 07, pour Abidjan, 0779-025205. Donc, Abidjan, 0779-025205. Où est le sel noir? Je ne comprends pas où vous l'avez mis. Le sel noir est où? Non, il dit que c'est le sel qui est là-bas. Non. Sophie connaît de quoi je parle. Sel noir, c'est où? Vous n'avez pas pu venir ici avec pourquoi? J'ai donné à quelqu'un avant-hier, elle est venue aujourd'hui, elle m'a dit que ça commence à l'aider. Je fabrique les produits, mais je n'ai pas fait au magasin. Ne vous amusez pas avec moi. Quand moi, je fais mon business, ne vous amusez même pas. Moi, je vous préviens d'abord en avance. Bon. Celle d'atterrissage, on peut aussi le mettre dans le... Non. Attends, on parlait de sirène. Celle d'atterrissage qui est celui-là, on peut le mettre aussi dans l'eau, on met les pieds à l'intérieur. Hier, il y avait un portail énergétique, le 9-9. Le prochain portail énergétique, c'est le 10-10. Lors des portails énergétiques, il y a beaucoup d'énergie. Et parfois, on se sent mal, parfois, on a la peine à se... Tu vas voir de quoi là-bas, mamie? Je cherche Mais j'en ai rien à faire de ta feuille que tu cherches.
Celle sirène. Ce sel, ça c'est pour les femmes de l'eau. C'est vrai qu'il y a aussi les hommes de l'eau. Premièrement, la couleur bleue. Quand vous allez mettre ça, vous allez, je suis sûr que ça va vous connecter. Vous allez ressentir quelque chose. Donc, ce sel peut être utilisé pour les bains de pieds. Vous plongez les pieds dedans. L'aura jaune et l'aura bleue, tous les couleurs, les spectres de couleurs ont leur puissance. Donc, les sels aux sirènes, il n'y en a qu'en bleu. Vous utilisez ce sel, vous mettez dans de l'eau. Chaude, c'est plus bien, c'est bien parce que c'est plus relaxant. On met un peu dans l'eau, on plonge les pieds dedans. Ce n'est pas pour faire la pédicure. Ça, c'est pour prier, pour méditer. Tu allumes une bougie à côté de toi, tu déposes une bougie à côté. Tu peux mettre la bougie, tu déposes dans un plateau. Ou tu mets un plateau, tu colles la bougie dedans. Tu verses de l'eau dans le plateau et tu allumes la bougie. Là, tu as les pieds plongés dans ton eau et tu fais ta méditation. Si tu as quelques cocories, tu lances les cocories dans l'eau pendant que tes pieds sont dans l'eau. Ça, c'est le sel sirène. Donc, bonsoir. Bonsoir. Tu as besoin d'aide, on t'a lancé le... C'est ton problème si on t'a lancé quelque chose. Tu es d'abord parti pour qu'on te lance ça. Quand vous montre ce que vous pouvez faire pour vous débloquer, vous ne le faites pas. Maintenant, vous venez me dire que aide-moi. Le mot aide-moi, c'est un mot que je n'aime pas. Il y a aide-moi, il y a désolé. Pour ne pas être désolé dans ta vie, prends tes choses et tu les fais à l'avance. Quand on vous donne les conseils, vous ne voulez pas écouter. Pour ne pas être désolé, demander l'aide à quelqu'un. Travaille sur toi. Économise ton argent. Cherche l'argent. Voilà. Vous-même, vous me connaissez. Quand elle parle ici, là. Donc, je continue. Là, j'ai parlé du sel sirène. Sel sirène, certains d'entre vous, vous êtes tellement connectés que quand vous allez prendre mes produits, les esprits vont vous parler. Ils vont vous dire que fais plutôt comme ça avec. Tu peux prendre son, te dire que verse autour de ton lit. Le matin, quand tu vas te réveiller, ce sera devenu l'eau. Naturellement, normalement. Mais c'est un point d'atterrissage pour que tes guides te visitent. On va au sel Call Money. Ce sel a été conçu pour les personnes qui ont les blocages financiers. Tout l'endroit, c'est les blocages financiers. Le sel Call Money, ça c'est pour appeler l'argent. Tu prends le sel, tu mets dans ton eau de bain. Si tu peux, tu prends un cadenas, tu utilises avec. Tu parles que toute personne qui m'a bloqué, je me débloque. Tu parles, en parlant, tu as le cadenas qui est débloqué, bloqué. Tu finis de prier, tu ouvres le cadenas. Tu dis, je me débloque. Et ce cadenas, tu le lances dans l'eau. Et cette eau, tu te laves avec. Donc, sur mes selles, généralement, il y a des psaumes que je mets. Et ces psaumes, vous les utilisez, vous lisez ce psaume, vous méditez dessus. Si vous avez le jujube, il y a un endroit ici, là où il y a le jujube. Mais mes écorces de mon visage, de mon village, là, c'est où? C'est dans les bols comme ça, c'est où? Il n'y en a pas ici. C'est là. Ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est quelque part ici. Voilà les courriers que vous avez mis là-bas derrière. Voilà les pierres. Oui, les pierres. Quand tu mets ici, on va voir comment on peut acheter. Non, répondez-moi. J'aime la logique. Moi, j'aime la logique dans mes choses. J'aime la logique. Tu prends les pierres. Tu peux en mettre là-bas derrière. Le client va venir voir la pierre comment. Ah, tant pis. Hein. Si vous voulez, vous ne réfléchissez pas. Bon. Celle Call Money, on utilise cela si vous avez des coris. Ayez toujours des coris chez vous. Donc, dans mes magasins, je ferai des boîtes. On fera des petites boîtes comme ça qui seront pleines de coris. Donc, je ne vendrai plus les 1-1 là. Parce qu'on vous montre que dans la dimension où vous êtes, vous avez besoin de beaucoup de coris. Quand tu travailles, parfois tu vas te coucher, tu prends le coris, tu verses sur le lit, tu te couches dessus, tu dors. Voilà. Donc, le sel Call Money, vous l'utilisez avec un cadenas. Si tu peux faire le cadenas cette semaine, la semaine prochaine, tu fais avec les coris. La semaine qui suit, tu fais autre chose. Mais la base, tu utilises le sel. Tu nettoies. Et quand tu le verses dans l'eau, tu peux utiliser... Il y a le sel noir. Le sel noir, vous allez voir dans mes magasins, il a un peu cette texture ici-là. C'est un sel blanc, mais avec une poudre noire à l'intérieur. Donc, vous utilisez ce sel-là. Vous mettez le gel dessus. Le sel noir. Vous prenez le sel noir. Donc, une cuillère dans la main. Tu prends le gel que tu te laves normalement avec. Tu mets ça dans... Tu mets ça dans le sel dans ta main. Tu frottes comme ça. Tu mélanges. Si tu as un peu d'eau, ou bien tu fais dans un bol. Et après, tu peux utiliser le lendemain, le surlendemain. Tu prends un peu, tu frottes ton corps avec en parlant. S'il y a n'importe quelle malédiction sur mon corps, n'importe quel voile qu'on a mis, j'enlève.
Quand tu frottes tout ton corps, comme si tu étais en train de te oindre. Après, tu prends l'eau que tu as mis, le sel Cold Money. Si, tu verses sur toi. N'entre pas dans mon magasin pour acheter une seule chose. À côté de ça, il y a maintenant, il y a le sel noir que je vous ai dit. Et ça, c'est le sel même percé. Les gens que vous, l'argent n'entre jamais là. Le sel même percé s'utilise. Ça, c'est sur Abidjan, c'est 5 000 la petite boîte comme ça. Et la grande boîte, c'est 10 000. Donc, tu arrives, tu n'as pas de rentrée financière. Tu peux mettre ça à côté de l'endroit où tu laves tes mains. Donc, il y a ton savon pour laver les mains, il y a ton sel même percé. Tu arrives, tu l'ouvres légèrement, tu prends une pincée, tu mets avec ton savon, tu frottes sur tes mains, tu parles. S'il y a n'importe quoi qui bloque mon argent, mes rentrées financières. Généralement, les gens me disent que quand ils utilisent, après, leur même picote. J'appelle mon agent, peu importe l'endroit où l'agent est caché, je l'appelle. Mes produits s'utilisent avec la bouche. Tu parles. Si tu ne dis que tu ne parles pas, n'achète pas toi mes produits. Oh. Si tu ne veux pas bagarrer spirituellement, n'achète pas. Et tu me signales et te bloques. Voilà. N'achète pas mes produits. Vous devez, mes produits sont là pour appuyer votre travail spirituel. Je vous connais avec la paresse. Vous n'aimez pas prier. Vous faites tout pour moi. Je ne fais pas. Je fais les produits sur lesquels j'ai prié, j'ai parlé. Toi-même, tu prends, tu dis que j'active. S'il y a n'importe quoi, quand le Dieu de Reine Lumière, là, qui donne l'argent à la femme, là, qui donne aussi ma part, qui ouvre aussi mes portes. Voilà. On continue. Quand tu ressens la pression dans ta tête tous les jours, voilà l'huile de blindage. Tu prends l'huile de blindage, tu utilises. Voilà l'huile de blindage. C'est une huile très lourde, très lourde. Ça, c'est 18 000 francs. Ça, 18 000. Pression dans la tête, tu prends ça, tu te fais le bain de cheveux avec. Ça, c'est le remède qu'on soigne les foies avec, j'ai mis dans cette huile. Le remède pour désenvoûter, il y a tout dedans. Tu prends ça là, tu oins ta tête avec. Pendant 3 à 7 jours. Voilà. Parce que votre problème, c'est que vous ne travaillez pas sur vous. On met les produits, vous n'utilisez pas. Et vous prenez aussi le thé de désenvoûtement. Donc, le sel même percé, tu le mets pour frotter tes mains. Si tu frappes encore la porte là, toi-même, là, il va te taper. Tu as compris, non? Cherchez-moi toujours. Donc, ce sel, on l'utilise pour laver les mains. On l'utilise pour laver les mains. On met ça là où on lave, à côté de ton évier. Tu prends un peu, tu frottes sur les mains, tu parles. Ça doit être un geste quotidien. Les gens, oh, mon argent, l'argent n'entre pas. Pense à ce que tu lui donnes. Elle peut même prendre les mains un peu dans l'eau pour se laver avec. Si tu viens, tu prends celle même percée, tu mélanges toujours avec les sels qui sont ici. Tu peux prendre celle même percée et celle Cold Money. Tu prends celle même percée, tu prends peut-être celle, le sel 7 chakras. Voilà, voilà ça. Le sel 7 chakras est là. On a mis, il y a les grandes quantités maintenant. C'est vrai qu'avant, on en faisait des petits. Avant, c'était, voilà l'ancien format qui est ça. Et voilà le nouveau format. Vraiment, c'est vachement plus grand. Parce que je me suis rendu compte que vous venez, vous en avez besoin. Il y en a que vous buvez seulement le sel. Je ne sais pas si vous buvez seulement. Mais en tout cas. Donc, ce sel, comme ça le dit, 7 chakras, c'est pour activer. On a des spectres d'énergie sur nous. Vos spectres, les différents spectres que vous utilisez là. Voilà. J'ai enlevé le mot arc-en-ciel. Je n'ai plus le sel arc-en-ciel. C'est maintenant le sel 7 chakras. Voilà. Donc, quand tu prends ce sel, tu mets dans ton eau de bain. Préférence les jours où tu jeûnes. Certaines personnes peuvent le faire quotidiennement. Tu prends, et quand tu vas ouvrir, si tu balances dans une autre boîte, peu importe, tu prends une cuillère, tu avais une cuillère généralement. Donc la cuillère te permet de puiser, tu prends un peu les autres. Certaines personnes peuvent secouer carrément, ils mélangent. Et après, ils savent que quand tu mets dans l'eau, si tu regardes bien, tu observes bien. En lançant dans l'eau, tu vas voir que le jaune, le rouge, le bleu, ça se sépare, le vert. Tu vas voir les plusieurs couleurs. Ce n'est pas parce que ça va prendre une couleur uniforme après que ça n'a pas toujours d'impact. Le spirituel n'est pas comme le physique. Et dans le physique, oh, si je ne vois pas, ça n'a pas d'action. Non, le spirituel n'est pas comme ça. Donc le 5-7 chakra, tu le mets dans l'eau, tu te laves avec, tu parles, j'active mon étoile, j'active ma puissance, j'active mon énergie, j'enlève les mauvaises énergies sur moi. Et le sel, généralement, vous l'utilisez avec le parfum. Donc voilà les parfums. Il y a les parfums attirance, il y a le parfum homme riche, il y a le parfum donne-moi tout. Voilà le donne-moi tout. Donne-moi tout, je l'ai fait en spray. Tu peux vaporiser, tu peux mettre ça sur ta langue. Tu mets 2 ou 3 gouttes dans l'eau de bain avec le sel. Donc parfum, sel, dans l'eau. S'il y a un agent qui est bloqué quelque part, quand tu mets ça sur ta langue, tu dis que comme je parle comme ça,
Je t'appelle Chedjou. Chedjou, hakababum. Ok? Chedjou, donne-moi mon argent. Tu parles. Quand tu finis, quand tu as fini ce lave-vaisselle, on utilise toujours l'huile. Ça peut être l'huile mille faveurs pour ouvrir les portes. Les femmes ont dit que c'est comme le jansan, que l'huile mille faveurs, c'est comme le jansan. Tu peux utiliser l'huile mille faveurs, tu peux utiliser l'huile d'olive. Donc, parfum, donne-moi tout. Vous avez sûrement vu ça sur ma page. J'en parle énormément. Prends ce parfum. Si, même si tu mets 3 gouttes dans l'eau, dans ton eau de 3 litres, tu te laves avec. Si tu prêtes attention, tu vas voir que ça sent. L'odeur dans le spirituel compte plus que ce que vous pensez. Voilà. Et là, on a la poudre jaune. Ça, c'est les emballages d'Abidjan. Les emballages de Libreville de la poudre sont différents. Cette poudre, tu peux aussi en mettre. Tu lèches le matin. C'est contre les masturbations, couches de nuit. Tu te oignes aussi avec. C'est contre les mauvais œil des sorciers. Donc, ce truc-ci va vous aider. Il y a aussi Sors de moi. Sors de moi, c'est le parfum fort là que vous utilisez souvent. Vous versez ça dans la maison. S'il y a les gens qui vous visitent, les mauvaises personnes qui vous visitent, vers minuit comme ça, là, vous mettez. Ça là est très fort. Sors de moi est très fort. Tu peux aussi humer. Si peut-être tu as un mal de tête qui est persistant là, tu vois l'endroit qui fait mal et toi-même tu humes ça. Ça va un peu restaurer ton esprit. Tu sors d'une réunion où les gens sont trop. Les mauvaises énergies. Tu es parti, on t'a embrouillé, on t'a fait ceci. Ton esprit n'est pas clair. Tu prends. Soit tu prends le donne-moi tout, tu mets sur ton visage et tu humes. Soit tu prends sors de moi, tu humes et tu fais un bain de sel. Tous les mauvais trucs là, même pour étudier. Pour les gens qui vont étudier cette année, l'huile de blindage, si, mettez beaucoup ça sur la nuque. Il y en a que c'est quand tu veux t'asseoir pour étudier là que ta tête commence à faire seulement ouan, 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 ouan. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Il y a aussi embellis-moi. Ça c'est pour les femmes qui ont les voiles sur le visage. Embellis-moi. Tu prends, tu secoues, tu vaporises sur le visage. Voilà, tout voile qu'il y avait sur mon visage, j'enlève. Donc voilà les huiles. Tout récemment, ils m'ont montré, ils ont donné une instruction de ce qu'on devait faire. L'huile d'olive, vous achetez en grande quantité comme ça chez moi. Vous versez dans les coins de la maison. Genre, tu peux verser carrément chaque coin que tu verses. Énormément quoi. Déjà que tu verses, tu vois, c'est énorme. Si tu as une barrière dans laquelle tu vis, tu peux au coin de ta barrière, à l'intérieur de la maison, tu verses. C'est à n'importe quoi qu'on a creusé ici, on a mis. À l'entrée de la porte aussi, le portail, dehors, tu verses dans ta maison, hein, donc à l'extérieur de ta maison, à l'intérieur du portail, mais à l'extérieur de ta maison. Donc tu verses ça à l'entrée. Si on a creusé, on a déposé n'importe quoi ici. S'il y a eu une zone d'atterrissage pour les esprits mauvais, je déclare que c'est enlevé. Tu verses ça, une bonne quantité. Voilà. L'huile de ricin que nous vendons, vous pouvez mettre ça sur le ventre. Les gens qui ont les fibromes, les gens qui ont la peine à dormir, tu mets ça, l'huile de ricin, si tu mets ça sur la plante de tes pieds, quand tu t'es accouché, quand tu veux dormir, là, tu mets sur la plante des pieds, tu mets aussi un peu dans le creux de ton nombril. Voilà. Et tu peux attacher avec quelque chose. Ça va t'aider, ça. Si tu mets ça, ça va beaucoup te fatiguer. Quand tu mets ça sur la plante des pieds, tu dors. S'il y a les toxines dans le corps, ça va sortir. S'il y avait des blocages ou les gens qui te visitaient la nuit, là, tout ça, ça va te libérer. Voilà. Donc, il y a ça, le Mont Saint-Michel. Vous allez voir, la couleur originale n'est pas comme ça. Donc j'ai acheté, j'ai mis certaines choses dedans et j'ai béni. Donc si vous passez au magasin, ce que vous allez trouver dans mes magasins sont ceux que j'ai béni. Voilà. Donc on revient sur le sel. Voilà le sel 7 chakras. Grande boîte, petite boîte. On a parlé du sel au sang de Jésus pour la purification. Le sel-ci active aussi l'étoile. Sel activation d'étoile. C'est ça. Le magasin est à Cocody. Supermarché Bellecôte. C'est le 0779-0252-05. Ça, c'est Abidjan. Donc, 0779-0252-05. Et le numéro du Cameroun. C'est le... Au Cameroun, on est à côté de Bano Palace. On est à côté de Bano Palace au Cameroun, à Douala. Et à Libreville, on est à la montée de Louis. Montée de Louis, en face de la pirogue, hôtel La Pirogue de Louis. Pas loin du marché. Donc, le numéro du Gabon, 074-18-0080. Donc, 074-18-0080. Ça, c'est pour Libreville. Le numéro du Cameroun, 237-693-50-22-66. Le jaune dans le spirituel, c'est la couleur qui active l'étoile, la couleur du soleil, la couleur associée au succès. Donc, ça, c'est pour activer. J'active mon étoile. Tu peux combiner ce sel avec le sel même percé. Ou tu combines ça. Tu te frottes d'abord avec le sel noir. Après, tu te frottes avec le sel-ci. Ça active toujours pareil. Donc, on a le sel maison hantée. Le sel maison hantée, vous versez dans les coins de la maison.
S'il y a les mauvais esprits à la maison, ils vont sortir. Donc là, on va parler de la crème illumine ma vie. Ça, c'est plus les produits des sirènes. Ça, c'est plus pour les sirènes. À Mont-Saint-Michel, oui. Si vous l'achetez en normal, ça peut être une eau de colonne normale. Mais dès qu'on a déjà béni, on a lu des psaumes dessus, on a béni et sanctifié. Ça, tu peux mettre dans ton eau de bain. Tu peux purifier les surfaces à la maison avec. Parfois, tu restes comme ça, tu sens que... Tu peux même asperger sur ton lit avant de te coucher. Tu peux mettre dans ton eau de bain comme un parfum avec le sel. Tu te laves avec. Ça, c'est ça. OK? Tu peux aussi... Parfois, je prends... Je vais aspirer ça. Donc, je vais humer. Et ça me permet de me connecter. Donc, s'il y a des choses qui te troublaient l'esprit, tu as les batailles de pensée et tout ça, là, quand tu humes ça, ça te libère l'énergie. Voilà. La crème illumine ma vie. Ça, c'est les crèmes pour activation toujours. Donc, quand tu te laves le soir, tu vas te connecter. Tu prends la crème. Ce n'est pas une crème de tous les jours que tu vas seulement pour sortir de la maison. Donc, si tu mets sur le visage, ça restaure, ça enlève les voiles sur le visage. Si tu mets sur les pieds, si tu fais le bain de sel, tu fais le bain de sel sirène, ok? Après ça, tu utilises la crème illumine ma vie. Tu mets sur les pieds, tu frottes sur les mains, tu frottes sur quelques parties de ton corps. Ça va un peu chauffer. Après ça, quand tu vas te coucher, les visions que tu vas avoir la nuit, là, toi-même, tu vas confirmer. Maintenant, si vous n'êtes pas prête pour certaines choses de visions, là, ne faites pas. Voilà. Donc, ça sur Abidjan, je pense que c'est 30 000. Oui. 30 000. La crème illumine ma vie. Donc, après ça, on a les encens. Donc, il y a plein d'encens que vous pouvez acheter quand vous arrivez ici. Il y a les encens. Les encens, généralement, c'est 3 000 francs. On a le parfum Call Money. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ça, vous divisez, vous mettez l'autre dans votre sac. Tu peux l'utiliser. Tu gardes dans le sac. Donc, tu as une réunion avec les gens, tu sors le matin. Voilà, je bénis ma journée, tu prends un peu dans la main, tu frottes, tu mets sur ton visage, tu mets sur ton cou, tu frottes tes mains avec. Je viens contre tout syndrome de mains percées. Voilà. Parfois dans la journée, tu restes comme ça, tu sais que je fais une réunion, j'attends qu'on me donne l'argent là-bas, tu prends ça, tu parles, tu mets sur tes mains, tu frottes sur ton corps. Ça, c'est le parfum Call Money. C'est aussi le parfum d'attirance. Donc, les filles, je ne dis pas particulièrement que vous n'avez pas cherché les gars pour qu'ils vous donnent l'argent. Hein. Attirance, ça restaure l'attirance. Et mes employés, souvent, que quand je dis comme ça, on a dit que, ok, je vais prendre ça pour et pas avoir un gars avec ça. Donc, on a le savon Call Money. Donc, il est noir, mais très puissant. Donc, les jours, vous devez avoir par semaine au moins un ou deux jours où vous faites vos rituels à vous. Vous vous pommadez, vous mettez telle ou telle chose sur vous. Voilà, donc ce savon Call Money, on se frotte le corps avec. On peut se frotter le corps avec ça. Après, on utilise le sel Call Money dans l'eau. On verse cette eau-là sur nous et ça nous libère. Ok, tu vas prendre la crème. Ce sera disponible sur Douala. Je vais arriver avec ça à Douala demain. Donc, crème illumine ma vie. Mes produits sont bénis par moi. Assurez-vous d'acheter vos produits sur la bonne page. Bon, si vous l'achetez chez les anacœurs, ça ne me dérange pas non plus. Voilà. Donc, il y a j'ai parlé du savon. À part le savon si, on a aussi des savons qui sont durs. Le savon si, c'est 25 000 sur Abidjan. Oui. Donc, supposons que tu as un deal qui arrive, tu veux faire, je sais pas, tu veux demander le visa, tu veux, je sais pas. Bon, si TikTok, si ça s'arrête, vous partez. Hein, parce que je vois, je viens de mettre là, le power bank, ça vient tant que ça prend. Ça, c'est les vitamines pour la force. Beaucoup d'entre vous, on expédie, peu importe votre pays, on expédie. Voilà. Donc, les vitamines, je vous en avais parlé. Donc, c'est déjà arrivé. J'en ai pris beaucoup. On jeûne beaucoup. Donc, pour les jeûnes qu'on fait, il y a beaucoup de personnes. Donnez-moi un autre de mes téléphones, là. Je crois que ça va me permettre de faire le direct. Le bleu. Attendez un peu. Je vais reprendre le direct TikTok. Quand vous êtes fatigué, quand vous jeûnez, naturellement, vous êtes fatigué. Naturellement, quand vous jeûnez, vous êtes fatigué. Donc, j'étais au marché l'autre jour. Le Seigneur me dit, achète des vitamines. Donc, c'est là que je me dis, ok, j'achète. Et quand j'achète les vitamines, le soir, j'ai une cliente qui arrive et elle a un stock inouï. Elle a un stock inouï de voilà ce stock-là, en fait. Ça vient de l'étranger. Et...
contre la fatigue. Parfois, tu jeûnes ou bien tu veux perdre du poids. Ce qui te fatigue en journée, ça fait que tu manges. Ce n'est même pas parce que tu avais faim. C'est parce que tu es fatigué. Et ça, c'est une culture qu'on n'a pas en Afrique. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté dessus. Le calcium, il y en a, vous manquez vraiment de force dans votre corps. Parfois, on dit, oh, tu es anémié. Les faux trucs comme ça, hein. Je crois qu'il y en a un autre qui a même le fer. Il y a un multiminéral, il y a le magnésium. Voilà, il y a l'eisen et vitamine C. Vitamine C, ça permet de combattre les gens qui sont constamment malades. Voilà. Donc, voilà ça. Quand vous avez, si vous avez Abidjan ou à Douala, vous demandez. Donc, je pense que j'ai fait quand même le tour de quelques produits ici. Donc, on a l'huile de blindage qui est essentielle. Voilà vos essentiels, l'huile de blindage. Le parfum, donne-moi tout. Voilà vos essentiels. Donne-moi tout. Cette dimension, si c'est 25 000. Il y a au moins ce 45 produits dans le donne-moi tout. Il y a plein de produits dedans. Donc, tu prends ça, tu mets sous la langue, tu me vaporises, tu parles. Tu as une requête peut-être, tu mets une goutte de donne-moi tout dessus. Et tu allumes, tu ton nom bien sûr, ou bien sûr tes vœux. Et puis tu déposes la bougie dessus, tu brûles jusqu'à ce que ça se termine. Donc il y a autant de choses. Je sais qu'ils vont aussi vous inspirer avec d'autres choses que vous pourrez faire quoi. Et le but c'est que vous ayez l'obtention, vous obteniez ce que vous demandiez. Voilà. Ok, donc j'ai terminé. J'espère que ça va vous apporter plus d'informations sur ce que je fais. Voilà. Bonne soirée à vous.